Bonjour les amis, bonjour à tous mes abonnés. Je suis de retour après les vacances. Bon, je suis désolée, pendant une semaine, j'ai pas pu mettre les vidéos. Mais aujourd'hui, je viens vers vous avec une très bonne nouvelle. Je vais vous montrer une astuce pour donner du volume à vos cheveux. Je l'ai utilisée hier, mais je veux l'appliquer devant vous pour que vous voyez comment utiliser ce produit. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. Donc, je partage avec vous tout ce que j'utilise pour mes cheveux, pour mon visage. Donc aujourd'hui, je veux utiliser une boisson. Cette boisson est le plus consommée dans le monde entier. Tout le monde le connaît. Aujourd'hui, on peut l'utiliser aussi pour faire le ménage comme produit de ménage, pour nettoyer le toilette, pour aussi nettoyer tous les matériels qu'on a en fer en fait qui sont rouillés. Avec cette boisson, on peut le nettoyer et les retrouver presque neufs. Donc, sans tarder, je vais vous montrer la boisson. Donc, cette boisson est le Coca-Cola. Le Coca-Cola est connu dans tout le monde entier. Donc, aujourd'hui, je vais l'utiliser sur mes cheveux. Cette boisson peut donner, il vous donne du volume. Elle va épaissir les cheveux. Elle va aider à lisser les cheveux. Pour ceux qui ont des cheveux bouclés, elle va vous aider à boucler les cheveux naturellement. Donc, sans tarder, je vais vous expliquer comment utiliser. Donc, pourquoi appliquer du Coca-Cola sur ses cheveux? Avec sa teneur en acide phosphorique et en HP de 2,5, le Coca-Cola est une boisson acide qui, elle entre en contact avec les cheveux, permet d'enserrer les écailles et de les fermer, ce qui leur donne un aspect plus brillant et lisse. Quant au sucre que regorge cette boisson, ces molécules qui s'accrochent aux cheveux donnent à ceux-ci un aspect plus épais et plus volumineux. Donc, pour appliquer le Coca-Cola sur vos cheveux, il faut que vos cheveux soient bien propres, bien lavés en fait et bien démêlés après. Vous allez verser toute la quantité du coca sur vos cheveux. Moi, j'utilise deux bouteilles de coca de combien sont-ils litres là? De 500 millilitres. Donc, une fois que vous avez tout versé sur vos cheveux, vous allez la laisser agir pendant 10 minutes. Et après, vous allez rincer vos cheveux à l'eau abondamment afin que tout le coca puisse sortir. Là, mes coca sont ouverts, donc je vais pencher ma tête dans la bassine comme celle-ci. J'espère que vous voyez. Et je veux verser le coca dans mes cheveux. Voilà les amis, donc là je laisse reposer. Et aussi un truc que j'ai oublié, il faut l'utiliser au moins une fois par mois pour vos cheveux. Mais ça donne vraiment du volume, ça épaissit les cheveux vraiment et ça fait du bien à vos cheveux. Partagez la vidéo, abonnez-vous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Salut!